Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter l'oracle du cercle. C'est un oracle qui est paru aux éditions Trajectoire récemment, je crois que c'était au mois d'octobre de cette année, donc 2021. Il a été créé par Catherine Sorolla-Ménassieux et illustré par Céline Cailleux. Alors, peut-être que vous connaissez déjà les coffrets des éditions Trajectoire. Ils ont tous un peu le même design, comme ça, dans des coffrets noirs. C'est très sympa. Donc, celui-ci ne déroge pas à la règle. Donc, on a le même packaging, si vous voulez. Alors, à l'arrière, il est écrit « Le cercle, figure sacrée universelle, est le symbole de l'unité, de l'harmonie, de la continuité et de la vie. Ainsi, l'oracle du cercle possède des propriétés fascinantes. Son énergie vibratoire régénérante en fait un outil de divination, de guidance et de développement personnel. Les propriétés magiques du cercle favorisent le recentrage, le renouvellement et la connexion à son monde intérieur. Elles aident aussi à prendre conscience des liens cosmologiques. Le cercle permet de poser des limites et d'activer des protections pour se ressourcer et rayonner. Il invite à s'adonner à l'introspection ou au contraire à s'extérioriser, à créer des boucles de possibilités et d'expansion. Chaque carte peut être utilisée seule, en message du jour, en réponse à une question simple. On peut aussi les combiner grâce aux 5 méthodes de tirage originales proposées. Grâce à cet oracle, développez votre intuition et restaurez l'harmonie dans votre vie. Vous êtes le centre du cercle. Donc il y a un jeu de cartes qui contient donc 50 cartes et on a également un livre dans le coffret. Alors, le livre ici, les cartes ici. On va commencer par le livre. J'aime bien vous montrer les livres pour commencer, parce que ça permet un petit peu d'asseoir le jeu, on va dire, de voir de quoi il s'agit exactement. Alors, ici, on a donc avant-propos pour commencer. Donc, on a un texte sur la figure sacrée du cercle, puisque vous l'aurez compris, le cercle est ici mis en avant. Il est utilisé sur toutes les illustrations, parce que tout simplement, c'est l'oracle du cercle. Donc, on va retrouver des cercles sur toutes les cartes. Et forcément, dans l'avant-propos, on a donc cette figure du cercle qui était expliquée finalement au niveau de son symbolisme, au niveau également historique. Voilà, il y a plein d'informations. Et on nous parle bien entendu de ce que représente le cercle dans nos vies aujourd'hui, bien sûr, puisque voilà, le cercle n'a pas perdu de son pouvoir avec le temps, bien au contraire. Ensuite, 50, un nombre magique ici, donc l'auteur nous explique pourquoi il y a 50 cartes dans le jeu. Présentation de l'ouvrage et utilisation du jeu. Donc, se recentrer, habiter son espace sacré et développer ses potentialités. Donc ici, on a un texte finalement qui nous explique pourquoi et comment le jeu a été créé. Donc voilà, il y a pas mal de raisons ici non exhaustives qui finalement ce sont des pistes de travail qui sont proposées au sujet du cercle. Justement, il favorise le recentrage, l'ancrage, la connexion à son monde intérieur, son espace sacré et la conscience de la connexion au grand tout. Il aide à se remettre au centre de sa vie, à définir les propriétés, à poser les bonnes limites, à conscientiser la frontière entre soi et les autres. Il permet également d'activer des protections, de faire circuler l'énergie, de se renouveler et de rayonner. Il possède aussi des propriétés d'orientation dans le temps et l'espace et donc aide à s'orienter ou à se réorienter, à ressentir le temps autrement, à comprendre les processus de répétition. Il invite à créer des boucles de possibilités infinies, à rouler sa bosse, à prendre de l'expansion. Il ramène à l'unité, répare et restaure l'harmonie. Et bien sûr, encore plus de choses, voilà, tout ce qui pourrait être finalement lié au cercle, tout ce qui pourrait vous parler, puisque c'est ça aussi le but, c'est de s'approprier le jeu.
et de donc personnifier, enfin personnaliser le travail qu'on va faire avec les cartes. Donc ici les cartes message, utilisation et interprétation. On va avoir les associations enfin, qui sont ici évoquées. Enfin, il n'y a pas les associations qui sont évoquées, mais il y a l'idée d'association qui est évoquée. On n'a pas d'exemple d'association ici, par contre. Mais voilà, le but, hein, forcément, quand on tire plusieurs cartes, c'est de les faire communiquer les unes par rapport aux autres. Ensuite, proposition de tirage. Donc, on va avoir plusieurs tirages hein, qui sont ici proposés. La liste des cartes. Donc les propositions, les voici. On a la roue de l'année, que vous connaissez peut-être déjà. On a le bouclier, c'est un tirage de protection et de défense. La roue de médecine, c'est un tirage de guérison. Le cercle de prière, c'est un tirage pour activer une demande. Le petit cirque de la vie, tirage pour faire le tour d'une question. Et ensuite, les cartes. Donc on va avoir ici un texte finalement qui récapitule le sens de la carte. Et ensuite, on va avoir un texte plus conséquent où on va développer de manière plus profonde justement le sens de la carte avec la carte à l'endroit et la carte à l'envers si vous voulez. Donc on va pouvoir faire la distinction entre les deux si on le désire et on a donc toutes les cartes ici qui sont expliquées. Donc voilà pour le livre. Alors je vais vous montrer les cartes, elles sont très très belles. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de symétrie en plus dans les cartes, donc pour moi, c'est important, la symétrie. J'aime beaucoup quand il y a de la symétrie sacrée même. La géométrie sacrée, pardon. Alors, on a des cartes qui sont grandes, comme vous pouvez le voir. Dommage qu'elles ne soient pas rondes, ça aurait été juste parfait, finalement, pour un oracle du cercle, si les cartes avaient été rondes. Les tranches sont simples, donc c'est chouette. Le dos, le voici. Bon, en l'occurrence, dans le livre, on peut faire la distinction entre les cartes quand elles tombent droites ou renversées, mais le dos des cartes ne permet pas... Enfin, comment dire, on peut distinguer les cartes. Voilà. Donc ça, c'est un peu dommage, effectivement, puisque généralement, quand on fait la distinction entre les deux, le dos ne permet pas de distinguer, justement, si la carte tombe à l'endroit ou à l'envers, on va dire. Et là, pour le coup, avec cette étoile à 5 branches qui s'inscrit dans le cercle, on a justement cette notion de... comment dire, on peut identifier, en fait, sur le dos de la carte, comment elle va tomber. Donc, bon. Alors, les cartes, elles glissent bien, pour le coup. Elles sont mates. Alors ça, c'est chouette, parce que moi, je suis pas fan des cartes brillantes. Et elles sont épaisses. Pour le coup, vraiment, elles sont sympas au toucher, j'aime bien. Elles sont douces, en fait, assez soyeuses. Le dos, je vous l'ai déjà montré. De toute façon, vous l'avez juste ici. Alors, justement, on va donc avoir la distinction. Vous voyez ici, on a un autre nom pour la carte. Donc on va avoir enfin, un autre mot-clé, plutôt, puisque le nom de la carte est là, donc Gaïa. Mais ici, ça veut dire fécondité, alors que ici ça voudra dire extinction. Les illustrations sont super belles, je trouve. Vraiment. Il y a un côté ésotérique, voilà, avec les astres, avec les animaux, la nature, voilà, le tunnel ici, le passage. Donc ça parle tout de suite, les couleurs sont très très belles. Je le trouve vraiment original de par le choix du thème et très bien illustré bien sûr et intuitif. Donc ça c'est chouette. Après pour être honnête, je suis pas fan de la police d'écriture et de la manière dont justement c'est écrit parce que j'aurais tendance à dire que ça gâche un peu l'illustration. L'illustration est tellement belle qu'on aurait voulu finalement que rien ne vienne l'altérer.
voyez ici par exemple la charrue, c'est carrément écrit sur le visage, enfin la gueule de cette vache. Et c'est vrai que c'est dommage, ça vient un petit peu gêner l'illustration. Et j'aime beaucoup l'effet miroir entre les deux sens. C'est vraiment un oracle qui est riche en symbolisme. Je le trouve très harmonieux et en même temps, je trouve qu'il aborde un peu toutes les cultures, tous les thèmes. Il y a des cartes qui sont colorées, d'autres qui le sont moins. Voilà, c'est chouette parce que généralement, quand on a des jeux comme ça qui ont un peu, quelque part, qui touchent un peu à tout, ou du moins qui abordent beaucoup de thèmes différents, de culture, de types différents de spiritualité presque. Voilà. Des fois, on a du mal à retrouver l'unité, et ici, c'est pas le cas du tout. Ici, il y a vraiment une cohérence. Et ça, c'est chouette. C'est important. J'aime bien ici la petite bordure, je la trouve très chouette. Non, vraiment, je suis ravi avec ce jeu, c'est un très très beau jeu. Regardez cette carte, elle est vraiment sublime. Celle-ci aussi, j'aime bien. Je la trouve très bien pensée. Vérité, mensonge. Et oui, le sceau de Salomon, que vous connaissez sûrement. Le cercle de sorcières et de fées. Celle-ci aussi est très très belle. La douceur avec laquelle il porte finalement le yin ou le yang d'ailleurs. Une part de l'autre en tout cas. C'est très poétique. L'anneau avec un, je sais pas si c'est volontaire, mais je trouve qu'il y a une référence à Klimt, à l'œuvre de Klimt, sûrement à cause de son célèbre tableau où on voit un couple qui fusionne presque. Très belle celle-ci aussi, je trouve. Celle-ci aussi est très très belle. Encore une fois, dommage pour le nom de la carte ici. Bon, je suis un peu, un peu trop pointilleux peut-être. En tout cas, voilà, ça ne retire rien à la beauté du jeu. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, j'en ai peu entendu parler de ce jeu. Voilà, j'ai pas l'impression que. Comment dire. Qu'on en parle assez, puisqu'il a vraiment un très fort potentiel. Et je trouve qu'il mérite plus de. Finalement, de visibilité, ou du moins. Je pense qu'il mérite d'être connu, voilà, tout simplement. En tout cas, je vous invite vraiment, pour le coup, à regarder dans la description de la vidéo. Donc, c'est sous la vidéo, hein, vous avez une flèche, vous cliquez dessus, vous verrez, il y a un texte qui va apparaître. Donc là, je vais vous mettre le lien vers le site des éditions Trajectoire. Comme ça, si vous voulez vous procurer ce jeu, ce sera plus simple. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait, pour être prévenu en temps réel des vidéos que je publie. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de découvrir un oracle vraiment avec un fort potentiel.
un oracle puissant, puisque c'est vrai que pour le coup, le cercle est une figure spirituelle, enfin, qu'on retrouve beaucoup dans la spiritualité, mais qui n'est pas forcément mise en avant, je trouve, d'une manière générale, contrairement au triangle, par exemple, à la pyramide. Voilà, donc je trouve que le cercle est un peu moins mis en avant, surtout dans les jeux de cartes, je veux dire, à part certains jeux où on va avoir des cartes rondes, mais au-delà de ça, au niveau de la construction de l'illustration même, ici, on a vraiment toutes les illustrations qui sont construites autour de ce symbole, en fait, de cette figure, et c'est ça qui est plutôt intéressant, même très intéressant, et surtout qui est bien foutu. Je trouve que c'est vraiment bien pensé, et donc c'est ça aussi qui donne de la puissance à ce jeu, je pense. Voilà. Bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.